feuilles. Aujourd'hui, c'est la recette de rouler au chorizo. Pour ça, il nous faut de la pâte feuilletée, du chorizo en tranches, du cheddar et de l'emmental râpé. Première étape, je viens couper mes tranches de chorizo en petits morceaux. Je déroule ma pâte et ensuite je viens étaler les petits morceaux dessus, donc à peu près sur la moitié de la pâte feuilletée. J'en ai mis un peu partout et maintenant je passe au cheddar. Donc j'ai découpé une tocinette en petits morceaux et je viens en mettre un peu partout. Une fois que c'est fait, je parsème d'emmental râpé. Donc vraiment les quantités, c'est selon vos goûts. Donc c'est très simple, je la roule tout simplement sur elle-même. Ma pâte est bien roulée, je l'enferme dans le papier sulfurisé qu'il y avait avec et je la dispose à peu près 10-15 minutes au congélateur. Une fois que c'est fait, je la sors du congélateur et ce sera beaucoup plus simple pour la couper. On fait ensuite des rondelles d'à peu près 1 à 2 cm, après c'est selon votre goût. Et je les dispose ensuite sur une plaque avec du papier sulfurisé qui passera au four après. Une fois que mes rouleaux sont prêts, je les mets au four pendant à peu près 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et voici, c'est terminé. Régalez-vous bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!